Elles font partie de nos paysages et en temps de sécheresse, elles représentent l'une des solutions de sauvegarde du monde agricole et notamment dans les Hauts. Avec ce développement agricole des Hauts, les 250 retenues collinaires individuelles représentent une des solutions à l'irrigation. Avec l'aide du département et avec l'aide de l'Union européenne, on est arrivé à disposer des serres qui se développent à une vitesse grand V. Et que nous constatons qu'aujourd'hui, en l'absence d'une eau d'irrigation, en cas de sécheresse, ce serait la faillite de toute une chaîne de production. Comme du tampon est allé capter l'eau à 2050 mètres hein, sur les pentes du volcan pour les amener donc à 1650 mètres, le président du département, le conseil départemental nous a suivis et aujourd'hui on montre bien que l'eau devient une arme pour terrasser la sécheresse. Nous n'avons pas d'autre solution que celle-là. Raison pour laquelle le département de La Réunion a signé avec la commune du Tampon un accord cadre de rénovation des retenues collinaires individuelles dégradées, ainsi que l'acquisition de réservoirs d'eau. Un outil essentiel pour un monde agricole contraint et fortement concurrencé. Le Tampon pilote la mise en place de cette convention départementale et notamment dans des lieux comme ici, une antenne de la Chambre d'agriculture. Parce que ça coûte extrêmement cher d'entretenir tout ce qui dit la bâche pour l'agriculteur. Ça revient cher sur l'exploitation. Et puis peut-être aussi, il faudrait essayer de faire comprendre aussi aux gens, aussi aux agriculteurs, de surtout entretenir les espaces autour des retenues, c'est-à-dire ne pas laisser en friche et tout ça, pour que la friche ne tombe pas justement, qu'il dit arbre ou quoi que ce soit, tombe dans les retenues pour faire des impacts dans les bâches et tout ça. 600 000 euros sont alloués à cette aide avec un plafond de 50 000 euros par retenue collinaire individuelle. Un dispositif du plan de relance qui se matérialise par sa proximité et la fluidité du montage des dossiers, une maîtrise d'ouvrage de la commune. Il n'y a pas de solution type pour l'irrigation. Ce que l'on sait, c'est que d'une part, le département intervient fortement sur les grands périmètres irrigués, les grands réseaux hydrauliques. C'est évidemment extrêmement important sur un territoire insulaire comme La Réunion d'avoir du structurant, d'avoir des gros réseaux, d'avoir des grosses capacités de stockage. À l'heure actuelle, c'est à peu près 16 000 hectares irrigués sur 43 000 hectares de surface agricole utile. Donc c'est déjà plus d'un tiers de la surface qui est irriguée grâce aux ouvrages départementaux. Mais ce n'est pas la solution idoine pour tous les territoires. On s'aperçoit que dans les Hauts, dans les secteurs enclavés, isolés, on ne pourra pas amener des périmètres irrigués, des gros réseaux d'irrigation comme on le fait sur le reste de l'île. Donc le stockage semi-collectif ou individuel est effectivement une des solutions qui permet aux agriculteurs d'avoir un stock d'eau. L'agriculture se modernise, les territoires changent. L'adaptation est aujourd'hui essentielle pour appréhender l'avenir de la filière. Well, I feel just like a child. Yeah, I feel just like a child. Well, I feel just like a child. Well, I feel just like a child. From my womb to my tomb, I guess I'll always be a child. Alors, les 1000 premiers jours, c'est un concept qui a été initié par l'Organisation mondiale de la santé et qui va du 4e mois de la grossesse jusqu'aux 2 ans de l'enfant. Il est centré sur une approche santé et c'est vraiment l'idée que le très jeune enfant, depuis très tôt, si on démarre une prévention précoce sur tout son environnement, on a plus de chances d'avoir un bon état de santé. Donc un bon état de santé est défini par l'Organisation mondiale de santé comme un bien-être complet, physique, mental et social. Ce n'est pas uniquement l'absence de maladie, d'où l'importance de la prévention qui est initiée très tôt. C'est bon? Voilà, ok, 78. Oui, banane. Pas essayé? Vous pouvez écraser un petit peu la fourchette. On considère que ça va du 4e mois de la grossesse jusqu'aux 2 ans de l'enfant, mais on peut même élargir et partir de la période préconceptionnelle, donc avant même
la grossesse et aller jusqu'aux 3 ans de l'enfant, jusqu'à son âge de scolarisation. L'idée, c'est vraiment que chaque professionnel qui est amené à accompagner une future maman, un nourrisson, puisse donner les conseils les plus appropriés et l'information adaptée à chaque situation, dans l'idée de prévenir des problématiques de santé qui pourraient survenir plus tard. Plus tôt on a des comportements de santé qui favorisent ce bien-être, donc complet, global, font qu'on a moins de risques plus tard de développer des cancers, de développer du diabète, des maladies cardiovasculaires. Et c'est quelque chose qu'on ne mesurait peut-être pas il y a quelques années de cela, de se dire que parce qu'on mangeait d'une certaine façon au moment de la grossesse, eh bien ça pourrait impacter à l'âge adulte la santé quand on a 20 ans, 30 ans. En PMI, la particularité, c'est qu'on va avoir une approche pluriprofessionnelle, donc avec un croisement de regards à travers la sage-femme, à travers la puéricultrice, l'infirmière, l'éducatrice jeunes enfants, le médecin. Donc c'est une équipe qui va entourer ses futurs parents et ses jeunes parents et qui, à chaque étape, va pouvoir apporter ses connaissances de pourquoi c'est important de ne pas consommer d'alcool pendant la grossesse, pourquoi c'est important de ne pas fumer. Quand on fait le premier entretien au début de la grossesse, au quatrième mois, donc l'entretien prénatal précoce, ce n'est pas une consultation médicale avec un examen où on va prendre la tension, le poids. On va se concentrer spécifiquement sur l'environnement. Est-ce qu'on travaille à ce moment-là? Parce qu'on sait qu'il y a des facteurs qui peuvent être des facteurs de stress, des facteurs de surmenage, qui pourraient être un risque, par exemple, pour un accouchement prématuré. Voilà. Alors, ici, tu as tes dates de congé maternité, d'accord ? Chaque moment va être l'occasion de revenir sur des conseils alimentaires, de sommeil. Et plus tôt on a des habitudes de vie qui sont favorables à cette idée de santé globale, de bien-être complet, eh bien, plus on aura de chances de prévenir certaines maladies dans le futur. Quand on accompagne les parents et que l'on suit les enfants lors des consultations, c'est toujours l'occasion de revenir sur ces mêmes notions de prévention et à chaque fois apporter des conseils qui vont être centrés sur les besoins des parents à ce moment-là. En PMI, quand on propose des groupes d'accueil parents-enfants, on se centre beaucoup sur cette notion du langage à travers les livres, à travers des contes. Et plus un enfant va avoir un environnement avec un langage riche, plus il va comprendre des mots. Il est tout heureux, il sort sa tête. Et bien l'enfant qui n'a pas ces outils-là de compréhension, il va avoir plus de difficultés dans les apprentissages, dans la relation aux autres. Et ça peut avoir des impacts même plus tard. La particularité des équipes de PMI, c'est qu'elles ont plusieurs professionnels qui travaillent ensemble et en équipe. Donc on a la possibilité, dans un même centre de PMI, on peut accompagner dès l'entretien prénatal, les premières consultations, au moment de l'accouchement, lors des visites en maternité réalisées par les équipes, lors des consultations nourrissons, lors des visites à domicile, par les puéricultrices ou auxiliaires de puériculture, par les éducatrices de jeunes enfants qui proposent cet accompagnement sur un volet plus éducatif, et tout cela jusqu'à l'école maternelle, où là on va faire des bilans de prévention. Donc les PMI ne sont évidemment pas les seuls à proposer un accompagnement, un soutien particulier aux parents. Vous l'avez sur l'ensemble des professionnels, mais c'est comment chaque professionnel qui accompagne ses futurs parents arrive à les conseiller au mieux, à se centrer sur leurs besoins au moment où ils expriment le besoin. Et c'est l'avantage d'avoir plusieurs professionnels qui accompagnent sur l'ensemble de ce parcours-là.
La migration vers la métropole était, j'allais dire, une conséquence de la départementalisation, puisque la départementalisation s'est traduite par une amélioration des conditions sanitaires de la population. Donc la population a augmenté considérablement et il y avait des problèmes de débouchés et de formation. Et il y avait aussi beaucoup de misère puisque les lois sociales n'étaient pas encore mises en œuvre. Donc beaucoup de gens étaient amenés à partir en France métropolitaine pour trouver une formation et un emploi. Ça a été le cas du Bumidome. C'était une question qui était tellement importante et je me souviens bien quand j'étais beaucoup plus jeune, c'était tellement important que j'en ai fait l'objet de ma maîtrise quand j'étais étudiant à Aix-en-Provence en géographie après ma licence. Et depuis, durant toute ma vie professionnelle, je me suis toujours occupé de cette migration en faisant un livre avec M. Alain Lorraine sur les Réunionnais en métropole il y a un peu plus de 20 ans, intitulé 175 000 Réunionnais en métropole, une communauté invisible. En étant membre de la Commission nationale d'études sur les enfants de la Creuse créée par le gouvernement il y a 4 ans, donc tout ça pour dire que tout au long de ma vie, j'ai traité de ce type de sujet. Ce sont des sujets d'ailleurs que j'ai vu évoluer puisque autrefois c'était le Bumidome, les gens partaient avec peu de formation, pas beaucoup de garanties, trouver un avenir en France métropolitaine, mais maintenant la migration s'est beaucoup diversifiée et c'est le département qui a pris en charge la mobilité pour un emploi par le biais du CNARM, du Comité National d'Action et d'Accueil des Réunionnais en Métropole, et l'État continue à accompagner la migration par le biais de la DOM, notamment pour des gens qui veulent chercher une formation. Et puis la région, depuis 2004, également organise une formation des Réunionnais vers le Québec. Et en 20 ans, les Réunionnais sont passés de quelques centaines au Québec. Et maintenant, il y a plus de 2000 créoles des neiges au Québec. Donc la migration fait partie du vécu des Réunionnais. Et tout le monde ici, aussi bien dans la salle que dans la ville réunionnaise, a toujours un parent, un ami, une connaissance installée en France métropolitaine. Vous aviez aussi ici en France métropolitaine, mais c'est des photos d'époque, donc des années 1960, des jeunes réunionnais qui étaient installés en métropole par le biais du Bumidome, qui parfois étaient assez nombreux par chambre. Et puis ces réunionnais s'étaient aussi organisés pour défendre leurs intérêts et c'était les jeunes qui partaient se faire un avenir là-bas. C'est pour ça d'ailleurs qu'on avait au départ créé le CNARM avec Michel Debré, c'était pour que les Réunionnais puissent se retrouver dans des foyers. Bon, ces foyers avaient aussi une mission, c'est de ne pas les laisser aller dans la nature sans aucun port d'attache. Mais les Réunionnais finissaient toujours par se retrouver soit sur le travail, parce qu'ils étaient concentrés dans les hôpitaux, dans les postes, écouter les communications. Donc nous avions organisé les assises des Réunionnais en France métropolitaine et de ces assises, de ces travaux, de ces échanges, est sorti un ouvrage que l'on a intitulé 175 000 Réunionnais en France métropolitaine, une communauté invisible, parce que les Réunionnais en France métropolitaine sont tellement divers au niveau des ethnies, au niveau de la couleur de la peau, qu'on les prenait pour tout autre chose que des Réunionnais. Ceux qui étaient blancs étaient pris pour des oreilles, ceux qui étaient un peu bronzés comme moi étaient pris pour des Libanais ou des Maghrébins, ceux qui étaient noirs étaient pris par des Africains. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'était une communauté invisible, mais c'était une communauté qui existait bel et bien, puisque on se retrouvait donc très souvent. Réunion de chantier pour les acteurs de l'eau. Dans le cadre de la Journée mondiale de l'eau, il fallait sensibiliser les populations sur cette action essentielle au développement du territoire. Le département a lancé une analyse sur les ressources en eau et les besoins en eau du bassin sud. Le département a décidé de réaliser un réservoir supplémentaire d'une capacité de 20 000 m3 à côté du réservoir existant ici qui fait que 10 000. Sur l'île, les chiffres de la politique globale de l'eau impressionnent. 16 000 hectares irrigués, 35% de la production d'eau potable, 75 millions de mètres cubes distribués par an. Chaque année, la collectivité investit 20 millions d'euros dans la gestion de l'eau et de l'aménagement hydraulique. Et l'un des bénéficiaires de ce progrès, c'est le monde agricole. Comment la Réunion connaît
l'une des pires sécheresses de son histoire. Il y a encore beaucoup de choses à accomplir. Je viens de citer par exemple les Hauts-de-l'Ouest en exemple, mais dans le sud, avec la dynamique autour de la Saphir, mais aussi l'engagement du département qui est à souligner envers son agriculture, envers cette agriculture réunionnaise. Donc les féliciter pour ce travail. Donc ce sont 20 000 mètres cubes de plus qui vont être stockés à destination de la population, mais aussi des agriculteurs. Donc ce sont des capacités supplémentaires. Cette année, avec une sécheresse historique, il n'y a pas eu de coupure d'eau dans les champs. Sur le papier comme sur le terrain, la construction de ce réservoir à ciel ouvert en béton armé de 20 000 m3 est phénoménale. Il complétera celui de 10 000 m3, un réseau interconnecté dans une dynamique de hub. C'est vraiment un hub hein, parce qu'on a à la fois des infrastructures départementales, donc l'eau dérivée depuis le barrage du Bras de la Plaine. On a effectivement les infrastructures de la Civis, donc avec une station de potabilisation en cours de construction qui va desservir l'ensemble de la ville de Saint-Pierre. On a également un refoulement d'eau vers la Cassud. Donc cette eau qui est ici stockée et collectée est destinée au final à l'ensemble des intercommunalités pour les besoins en eau potable, l'intercommunalité du Sud, mais également pour l'ensemble du monde agricole. Il faut savoir qu'une partie de l'eau qui est stockée ici part effectivement en direction de la zone basse au niveau de la ravine des Cabris-Bois d'Olive pour être turbinée, pour produire de l'énergie renouvelable avant d'être redélivrée au niveau de la zone agricole basse, au niveau de Pierrefonds. Donc, pour faire en sorte que eau agricole, eau potable et production d'énergie renouvelable soient au final une problématique un peu globale. C'est ce qu'on appelle aussi la gestion globale de l'eau au département. Une vision intégrée de l'eau, car nous ne faisons qu'emprunter cette ressource, ce patrimoine naturel. Il y a forcément une vision patrimoniale de la ressource en eau, d'une façon générale. L'eau, comme tout le monde le sait maintenant, c'est un cycle. On est bien sur cette notion d'emprunt que les générations actuelles font aux générations futures. Ces ouvrages, livrés en début d'année prochaine, auront coûté 9 millions d'euros. Une manière de sécuriser la ressource et ainsi de voir l'avenir de ces terres du Sud avec optimisme. Ça fait 2 mois que j'ai créé mon entreprise de vente en ligne de couches lavables certifiées. J'étais au RSA depuis 3 ans et je voulais vraiment réaliser ce projet. Et grâce à mon conseiller du département, j'ai pu bénéficier du dispositif R+, qui est l'allocation d'insertion et de retour à l'emploi, qui me permet de conserver mes allocations pendant mes 3 premières années d'activité. Maintenant, tout va changer. Je m'appelle Julie Bénard et je suis créatrice d'entreprise. R+, l'activité en toute sécurité. Plus d'informations sur le www.département974.fr.